Hein? Objet. En. Repos. Déroulement de la cérémonie. D'abord, le détachement militaire du 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers a rendu les honneurs aux autorités à leur arrivée. Maintenant, vous allez entendre les enfants de l'école de Gannat sur l'appel des soldats morts pour la France et inscrits sur le monument aux morts. Par mesdames Arlette Malissard, directrice de l'école de Gannat, et Isabelle Parer, professeure des écoles, les enfants vont lire des textes préparés pour cette cérémonie. Auprès des fleurs, au dans l'espace, les alouettes devenues des fous, mêlent leur chant au soufflement des réfugiés.
encore à nos parents, à nos amis et nous qui reposons ici au fond de nous. À vous, êtes désabusé, à vous de porter l'eau flamme et de regarder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi, sinon les contributions se fanneront au sein de l'eau. Le mot de guerre. J'ai comme gâchis, tout comme humain. E comme épouvantable, F comme progrès. F comme regret, E comme espérance. Espérance. De la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. Je vais vous lire ce message du 11 novembre 2014. Depuis plusieurs mois, la France se remémore la première année de la Grande Guerre dans le cadre d'un centenaire unanimement partagé. Les Françaises et les Français se mobilisent pour rendre hommage à leurs aînés et rappeler leur fierté à l'égard de l'histoire de notre pays. Nous nous souvenons de ce 3 août 1914, de ce tocsin qui retentit dans les villes françaises et alerte la population, de ces millions de Français qui se mobilisent. Nous nous souvenons avec respect et émotion de cette journée du 22 août 1914 qui dévoile l'horreur effroyable de la guerre, de ces 27 000 jeunes Français qui meurent au combat ce jour-là. Nous nous souvenons de ce 12 septembre 1914, de ces sursauts Français qui redonnent foi à nos combattants et à la France. Mais il nous appartient surtout aujourd'hui à tous et à tous de nous souvenir de ce 11 novembre 1918, de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait alors éternelle, du courage de nos soldats, de la volonté de notre pays, des souffrances partagées des Français durant 4 années, de la force de la République qui jamais ne plia et du triomphe de ses valeurs, de nos soldats tombés ces dernières années sur les théâtres d'opérations extérieures pour perpétuer l'héritage de leurs aînés. Depuis un an, le centenaire de la Grande Guerre mêle intimement mémoire familiale et mémoire nationale. Il est vécu dans chaque commune, chaque famille, chaque foyer. Il rassemble l'État, les collectivités territoriales et les associations. Malgré le temps qui passe, qui nous éloigne d'un siècle que cette guerre a ouvert, le centenaire mobilise les anciens combattants, les jeunes et au-delà, tous les citoyens de notre pays autour de cette histoire. Il témoigne de la réalité de la guerre, de sa brutalité, de son humanité aussi parfois, de son caractère mondial enfin, en particulier ce jour, à Notre-Dame de Lorette, à travers l'inauguration de mémorial, où sont inscrits par ordre alphabétique les noms de près de 600 000 combattants de toutes nationalités morts sur les terres du Nord-Pas-de-Calais. Ces 600 000 noms, aujourd'hui gravés dans le marbre de l'histoire et dans la mémoire de l'humanité, nous appelle combien la mémoire de la Grande Guerre est une mémoire mondialisée et pacifiée. Aussi, cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre les peuples et à la paix. Elle invite à la réflexion que chacun d'entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver la paix, de défendre les fondements de notre République et de l'Europe et de garantir la place de la France dans le monde. Kader Hari, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Thank you.
époux de la Gerbe, par M. le maire de Damas, accompagné de M. Norbert Meyer, président de la communauté de communes, et de ses deux enfants. Garçon, présentez. En. Enchaîner la phase de recueillement avec la sonnerie aux morts, la minute de silence et l'hymne national. Aux morts! Thank you.